Et bonjour à tous, c'est Devil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, round 3 de la première saison de la GTWS Nations Cup sur le circuit de la Sarthe en groupe 1. Vous venez de voir la qualification qui s'est pas si mal déroulée, même si j'ai été très surpris. Tout simplement parce que j'étais pas au courant que ça passait en mode nuit tout au long de la qualification. Chose qui est pas forcément idéale, vu que, bah, comme vous l'avez vu, dans certains virages, on ne voit absolument rien. En particulier à, je crois, Indianapolis, où littéralement tu ne vois pas l'apex, donc ça c'est génial, j'ai complètement loupé, je crois, 2-3 mètres d'ailleurs. Ouais, j'étais assez surpris, mais bon, au final, je m'en sors plutôt pas trop mal. Troisième, c'est pas mal. J'avais pas fait de course, donc bon, ça c'était un peu l'inconnu. J'ai cru voir que, visiblement, il y avait assez d'essence pour finir la course sans s'arrêter. Sauf que bah, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un arrêt obligatoire, donc du coup, ça servait un peu à rien de savoir ça. Mais par contre, que je pouvais peut-être tenter de ne pas refuel. Chose que je vais essayer de faire du coup pour cette course. On verra si c'est la bonne stratégie ou pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à forme. Moi, ça fait 2 semaines que j'avais pas roulé sur le jeu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester un peu le retour de force qui fait son retour depuis la dernière mise à jour. Et voir un petit peu ce que ça donne. Voir un peu où en est le jeu, si jamais il y a quand même moyen de s'amuser ou pas. Sur un circuit qui, on le sait, depuis bah, sa sortie sur GT Sport, a toujours été un énorme foutoir au niveau des pénalités. Et je dois dire que réellement, j'ai l'impression qu'il y a du mieux quand même de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a du mieux sur le jeu à l'heure actuelle. Mais au niveau des track limits de Le Mans, j'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable. Il y avait des pénalités quand tu coupais trop, et il y avait des pénalités, enfin il n'y avait pas de pénalités quand c'était raisonnable. Et je pense que globalement, c'est pas non plus parfait, mais c'est clairement la meilleure expérience que j'ai eue sur Le Mans en termes de track limits depuis bien longtemps. Hein. Donc quand il y a des progrès, faut le dire. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. La chose qu'il va falloir évidemment gérer, c'est l'hybride. On a une 919 hybride qui, certes, régénère pas mal d'hybrides, mais. Faut quand même faire attention à l'avoir en permanence parce qu'il est possible de perdre. En particulier en tentant ce que je suis en train de tenter, c'est-à-dire passer les rapports plus tôt. Parce qu'en général, quand tu passes les rapports un peu plus tôt, l'hybride a tendance à se consommer un petit peu plus. Parce que sur le passage au rapport, enfin voilà, en tout cas, quand vous avez un rapport en dessous, l'hybride se. Enfin, un rapport au-dessus, pardon, l'hybride se décharge pas mal. Donc ça va être quelque chose d'assez. Intéressant à voir parce que pour le coup il va falloir quand même gérer ça un minimum correctement parce qu'on n'a pas envie de tomber en panne d'hybride sinon c'est pas ouf. Au niveau de la stratégie du coup bah je sais pas trop quand je vais m'arrêter, je compte ne pas remettre d'essence donc idéalement le plus tard possible comme ça si jamais j'ai besoin de remettre de l'essence je peux voir et essayer de faire ça. Mais globalement voilà on va essayer de suivre un peu le paquet, même si c'est pas forcément évident, étant donné que, bah, on le sait, en groupe 1, il y a beaucoup de dirt tiers. Même si je dois dire que, là encore, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus raisonnable que sur GT Sport. J'ai dit un peu plus, hein, me tapez pas, mais globalement, de ce côté-là, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux quand même. Et puis voilà, le but, ça va être tout simplement de garder la position, si possible en gagner, même si j'ai un peu du mal à y croire, mais au moins la garder. Sur mon premier essai de course, voilà, globalement, depuis 2 semaines, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. Quoi d'autre? Oui, non, c'était pas forcément une course que je comptais faire à la base, hein, pour être totalement franc avec vous. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Je pense avoir bien fait, vous allez voir ça, je pense avoir plutôt bien fait. Bref, je vous laisse du coup avec la course et je reviendrai vers vous de temps en temps pour parler de l'avancée de la course.
bien, on est au milieu du troisième tour et comme vous voyez, il commence à faire jour, donc c'est plutôt pas mal pour nous parce que bah, de nuit j'ai quand même un peu plus de balles que de jour. C'est un peu le cas de tout le monde, mais en tout cas ça permet de plus sécuriser la chose, notamment au niveau des track limits qui sont plus visibles. C'est toujours intéressant d'avoir une bonne visibilité, donc en l'occurrence le fait qu'on passe de jour c'est plutôt pas mal. Mais attention quand même, parce que ça veut dire également pour ceux qui pushent, notamment Eric Cassès derrière moi qui visiblement n'a pas l'air de vouloir économiser de l'essence, bah tout simplement il va mieux voir les track limits et donc par conséquent mieux les exploiter et possiblement me rattraper un peu plus. Donc faut faire attention à ça. Je me rattrape pas de Marcus, mais de ce que je vois au niveau des écarts quand je passe mes rapports un peu plus tôt, je pense pas qu'il économise de l'essence, donc c'est plutôt intéressant pour moi. Ça peut peut-être faire la différence, on verra ça bien évidemment. Mais en tout cas voilà, on va un petit peu voir comment ça se passe et essayer d'être pas trop mal. Attention à l'hybride néanmoins, comme je l'ai dit, je consomme plus d'hybride que les autres étant donné que je passe mes rapports plus tôt que les autres. Donc faut faire attention à ça, je suis pas à court d'hybride mais jamais trop loin hein. Donc c'est plutôt on va dire plutôt dérangeant hein, au final de pas être plus serein au niveau de l'hybride que ça. C'est un problème qui aurait été résolu bien évidemment si on avait accès à la balance des freins qui pour moi devrait être là hein. Je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont interdite maintenant, sachant que c'est un truc qui était plus du confort plutôt que réellement gagner un avantage sur les autres, c'était plutôt te mettre dans de bonnes conditions plutôt que t'avantager ou avantager ta voiture par rapport aux autres. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. D'autant plus que là, ouais, encore une fois, ça aurait été très très utile, étant donné que, comme vous le savez, bon, c'était le cas sur GT Sport, j'ai pas essayé sur GT7, mais il n'y a aucune raison que ça change parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les freins à l'arrière font que, en gros, plus vous avez de force de frein à l'arrière, plus vous allez tout simplement récupérer de l'énergie. Donc c'est ça qui est intéressant dans la manœuvre, notamment avec les coupins hybrides. Tout simplement, mettre les freins à l'arrière, ça peut te permettre de récupérer plus d'énergie. Et j'aurais pas eu ce problème. J'aurais clairement pas eu ce problème, mais bon. C'est comme ça, ça ajoute un petit peu de difficulté là où j'en ai pas forcément besoin, mais bon. Néanmoins, niveau essence, on est globalement nickel, donc ça c'est plutôt un bon signe. Le rythme est pas mauvais non plus, hein. Pépi est en 3.17.2, je suis en 3.17.6. Le rythme de ce côté-là est pas mauvais. Donc pour le moment, rien de particulier à signaler de ce côté-là. Mais encore une fois, voilà, va falloir faire attention, essayer de suivre Marcus, parce que je vois que Marcus, comme je l'ai dit, voilà, n'économise pas forcément énormément d'essence. Donc si jamais je peux le jump au pit, ça peut être plutôt intéressant. Mais comme vous voyez, bah, y a quand même Eric Cassès qui se ramène plutôt vite. Et voilà, maintenant, bon, il est un peu tard pour changer d'idée sur la stratégie, je pense. Je suis parti pour faire sans avoir besoin de remettre d'essence, donc on va continuer sur cette méthode-là. Est-ce que ça sera la meilleure? On verra ça.
Et malheureusement, il se passe ce qui devait absolument pas se passer, c'est-à-dire que Eric Cassès me double. Et ça, c'est pas le bon plan, parce que pour le coup, j'ai pas la puissance pour aller le doubler. Le seul endroit où je peux le doubler, c'est les stands. Et là, disons, pour éviter un peu le dirt tier, je me dis, bah autant que je m'arrête maintenant, parce que s'il continue et que j'ai le dirt tier encore un tour, c'est pas bon pour moi. S'il s'arrête, normalement, je devrais être capable de jumper au stand. Et c'est globalement ce qui se passe, donc je décide de m'arrêter. Il s'arrête également, il a 17% d'essence, j'en ai 28. Comme vous voyez, 1,8 tours, c'est un peu limite, mais j'avoue que je me tâte. Je me dis, est-ce que je remets de l'essence, pousser un petit peu et essayer de bien m'en sortir? Ou est-ce que je ne remets pas d'essence? Et on verra. Et du coup, c'est ce que je décide de faire, de ne pas remettre d'essence. Je sais que c'est risqué, il me reste que 1,8 tours dans le réservoir, ben j'ai 2 tours à tout simplement compléter. Mais je me dis, à la limite, je vais peut-être pouvoir m'en sortir avec un petit peu d'avance. Peut-être que ça peut le faire, peut-être que ça peut le faire, et pour le coup, ben c'est ce qui se passe. Je ressors devant avec 7 dixièmes, ce qui est pas grand-chose du tout même. Mais bon, je vais pouvoir profiter du dirt tier dans ce premier secteur, ce qui est toujours intéressant, et me remettre à une petite seconde d'avance. Maintenant, il va falloir évidemment essayer de conserver cette avance et également de reprendre de l'hybride. Néanmoins, je pense que l'arrêt au stand m'a fait du bien au niveau hybride. J'ai récupéré plus que prévu, étant donné que je suis resté dans les stands et dans les stands, ça recharge quand même. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et comme vous voyez, on se retrouve à une seconde 3 d'avance, donc à voir si ça peut faire de la différence. Je me suis bien rapproché de Pépi aussi. Bon, bien rapproché, c'est plus ou moins, hein, j'ai regagné quoi, 2 secondes à peu près sur Pépi. À voir où je vais ressortir vis-à-vis de Marcus. Néanmoins, il faut quand même que j'avance un minimum, sinon je vais pas ressortir devant, ça c'est une évidence. Mais ouais, je pense que malheureusement, j'ai perdu trop de temps avec du coup le dirt tier de Eric pour réellement sortir devant Marcus. Néanmoins, si j'étais resté devant, ça aurait pu se tenter, réellement ça aurait pu se tenter, mais là ça me paraît quand même un peu compliqué. Néanmoins, je vais quand même essayer de garder un bon rythme, de conserver la position, et puis on verra ce que ça donne à la fin de la course. Tout en évidemment économisant de l'essence, hein, parce que pour rappel, j'en manque. Donc pour le coup, c'est risqué, mais bon, je me dis, allez, pourquoi pas, d'autant plus qu'il me restait un slot derrière, donc au pire, si je tombe en panne, c'était pas très grave. Et si jamais, bah, tout simplement, ça fonctionnait pas, j'étais en mode, bon, c'est ma première course, c'est pas grave, on peut pas tout réussir du premier coup, bien évidemment, donc ça a un truc à tenter, à voir si ça va fonctionner. Ok, Marcus est au stand, où va-t-il ressortir? Eh bien, il ressort devant, et pas qu'un peu même, il va ressortir avec allez, à peu près une seconde 5 d'avance, ce qui est pas négligeable, mais bon, cela dit, c'est comme ça. Forcément, je dois économiser de l'essence, donc je peux pas non plus avoir un rythme stratosphérique. Ce qui me fait penser que je sais pas si c'était la meilleure stratégie de ne pas push. J'aurais essayé, néanmoins, mais bon. Là maintenant, sur qui il faut se focaliser, bah, c'est tout simplement sur Rick Cassès qui se rapproche petit à petit. Néanmoins, pour le moment, ça tient. Je suis quand même à plus d'une seconde d'avance. Ça peut se passer, hein, réellement, ça peut aller. Il faut que je reste devant jusqu'à Indianapolis. Et normalement, si tout se passe bien avec les S-Porsche et tout le reste, ça devrait aller. Donc
On va essayer de faire ça, néanmoins il se rapproche très très vite, bien évidemment. On va voir ce que ça donne à la fin de la course, mais j'y crois perso. On arrive à Indianapolis et pour le moment ça sent plutôt pas trop mauvais, hein. D'autant plus que Eric, comme vous voyez, fait une toute petite erreur, se fait un petit peu piéger par le dirtier, je pense également. Ce qui m'avantage pas mal parce que je suis très très juste, hein, niveau hybride pour cette réaccélération. Tellement juste d'ailleurs que je vais tomber en rade d'hybride. Et là, je vous avoue, quand j'ai vu que j'avais pas assez d'hybride, j'étais un petit peu en mode bon, ça va être compliqué. Mais j'étais clairement pas le seul à tomber en rade d'hybride, donc ça fait plaisir. Ça m'aide énormément du coup. J'arrive du coup devant au niveau des S-Porsche, et quand t'arrives devant au niveau des S-Porsche, bah globalement, ça sent très très bon, hein. Même s'il est très très proche, les deux derniers virages en général des S-Porsche punissent pas mal l'odeur tiers, et c'est exactement ce qui se passe. Donc je vais pouvoir m'emparer, enfin plutôt garder la troisième position, à condition de ne pas tomber en panne. Et comme vous voyez, je n'ai plus d'essence, hein. Il me reste littéralement 10 centilitres dans le réservoir. Ça va être compliqué. Néanmoins, est-ce que ça va passer? Eh bien, oui, ça passe. On signe d'ailleurs même le meilleur temps pour moi, du coup, sur ce dernier tour. Et bah, globalement, on s'en sort avec une troisième position. Troisième position, je pense, plutôt méritée. Même si, je dois être franc, je pense pas que ça soit la meilleure stratégie, en fait, de jouer l'économie autant. J'aurais, je pense, été plus rapide si jamais je pushais plutôt que réellement économiser. Je savais pas trop quoi faire, je fais cette stratégie-là, je m'en suis globalement bien sorti. À voir si j'avais pushé, si j'avais pu peut-être chercher Marcus ou pas. Étant donné que j'aurais pu un peu plus me rapprocher, forcément, vu que l'aspiration, au lieu de compenser la perte que j'avais à économiser, aurait plutôt bah, justement apporté plutôt de bah, un avantage. Peut-être que j'aurais pu le passer au début de la course et m'en sortir un petit peu derrière, je sais pas trop, on pourra pas refaire la course bien évidemment. Mais enfin de mon côté je suis plutôt content, une troisième position pour une course que je pars réellement train, sans réellement aucune attente, juste pour tester un petit peu le force feedback maintenant comme il était revenu. Bah moi ça me va hein, pour le coup, 387 points, après bon, je joue pas réellement quoi que ce soit cette saison, donc forcément c'est plus ou moins dérisoire, mais... Mais il reste 3 rounds quand même. Pour rappel, sur cette saison, il y a 6 rounds, donc il y en a 3 qui comptent. Et globalement, eh bien, j'ai déjà un round plutôt correct. Il reste 3 rounds, il suffit d'avoir 2 bonnes courses sur les 3 prochains rounds pour tout simplement à peu près s'en sortir. Le prochain combo notamment, la Suzuki Vision Gran Turismo sur certaines pistes A, m'intéresse plutôt pas mal. Je vais peut-être un peu m'entraîner dessus pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et pour le coup, eh bien, vous pouvez normalement, j'ai bien dit normalement, retrouver ça en stream vendredi prochain, donc vendredi, enfin vendredi plutôt, donc le 17 à partir de 19h30, voilà, on repartira en stream pour tout simplement bah, faire ces petites courses-là, on va voir ce que ça va donner, à la limite, pourquoi pas. Le round d'après, je crois, c'est groupe B sur la piste d'essai d'Alsace, ça pour le coup, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, on verra bien, il y a peut-être quelque chose à faire également là-dessus. Et le dernier round, qu'on ne connaît pas, on verra un petit peu ce que ça donne. Ça risque d'être une voiture annoncée, ça risque d'être, enfin, une voiture annoncée prochainement, ça risque d'être un circuit annoncé prochainement, on verra ça, bien évidemment. Mais bon, ça après, on verra comment ça se passe, on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, encore une fois, on joue rien pour le moment.
Mais voilà. C'est toujours intéressant de tenter un petit peu, de se remettre au niveau. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'en parlerai dans le prochain blabla qui sortira très très prochainement. Bref, sur ce les gars, je vous laisse. C'était Devil. Rendez-vous à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!